Wouhou! Bienvenue à vous, stream de la folie, stream du gros pixel, stream des graphismes kawaii. Et oui, dans The Big Game Husky, on recule devant rien, et aujourd'hui, on va jouer à une version de Parodius, qui s'appelle Fantastique Journée, c'est ça? Qui donc devrait être pas mal foutu. Alors, de quand ça date? On va regarder sur l'écran titre, hein, comme tout le monde, tout simplement. Je vais baisser un peu le son du jeu, parce que sinon, on va avoir des problèmes pour me comprendre. Déjà que j'ai une articulation qui est assez pourrie. Voilà. Oui, en plus, je fais la grosse voix. Alors, ce que je veux retenir de cette petite démo, c'est qu'il va y avoir du monde à l'écran, et que le système, bah, c'est le même que celui de Darius. Donc, on reprend cette façon d'accumuler les items et puis de choisir avec un bouton lequel on active. Et hop, vous vous retrouvez instantanément équipé. Alors, les graphismes, ouais, c'est toujours un gros délire avec eux. De toute façon, la team Parodius, ben, s'ils ont continué à bosser ensemble, c'est pas pour rien. Ça devrait être dans le musée du Pixel, ça, tellement c'est beau. Bien fichu, 1994, à la belle époque. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, je ne m'emprunte pas dans le porte-monnaie de maman. Je vais utiliser un allume-gaz car c'est une borne jetelle. Ah là, il n'y a que les vieux de la vieille qui peuvent comprendre l'astuce. On y va, là, j'ai peut-être mis déjà assez de crédit. J'ai une petite poulpe. Oh, je l'adore, là. Il est trop mignon. Ouais, auto, moi je ne suis pas un spécialiste de ces jeux-là. Comment vous pouvez résister à ça? Mais même quelqu'un qui aime pas les shoots va aimer. Oh, regardez-moi ça, comme c'est trop mignon. Alors je me rappelle plus la connerie qu'il faut faire avec ces cloches. Il y a une astuce, mais je sais pas du tout. N'étant plus trop au fait de la façon de jouer. On a droit à toutes les caricatures de classiques de jeu. Le petit Pew-Pew, le crabe qu'on trouvait dans toutes les consoles NEC. Je sais plus dans quel jeu, je crois que c'était dans PC Kid. Le pingouin, le grappin. Non, pas le grappin! Ah, j'avais pas fait gaffe du coup. Alors, le jeu est vraiment bien foutu parce que du coup, vous regardez de partout, tout ce qu'il y a à l'écran. Et en fait, des moments, vous oubliez de regarder à l'essentiel là. Et donc, vous prenez le pruneau. The pruneau. Et là, j'ai plus de bonus. Dis tes enfants, soyez gentils de m'accorder. Ah oui, mais c'est un peu tard là, madame. En plus, j'ai cet aigle. Alors, je crois que pour la petite anecdote, comme dirait Higgins, l'aigle avait été remplacé sur la version américaine. Je sais plus pourquoi. Enfin, il y avait des histoires à la con, ça. Là, je me retrouve avec le tir tout poucra. Iche. Oh le chaton, avec ce sardine dans la bouche. Il y a des trucs, je préfère mieux pas savoir ce que c'est qu'il attrape. Huch. Oh oui. Comment vous voulez que j'arrête? C'est juste pas possible. Ah oui, le petit vaisseau là, il est terrible aussi. Auto, fais tout auto pour moi. Où c'est qu'il m'en est? Ce serait marrant qu'on ait jusqu'à un boss quand même. Parce que vous allez voir que c'est pas piqué des hannetons en général.
Ah, puis la musique. Eh oui, Rocket Punch. Gros délire, Anko. Non, pas Mega Panda. Alors des fois le plus dur c'est de pas se marrer et d'être déconcentré par la rigolade. Parce qu'ils y sont allés franco quand même les gars là. Des petites abeilles Hudson Soft. Il y a plein de références dans ce jeu, c'est hallucinant. Meurs. La teuté. Ah, c'est magnifique. Ah, ça envoie le Rocket Punch, hein. Alors je dis plus rien, bah parce qu'il n'y a rien à dire. Le jeu est excellent et en fait là je suis en train de prendre mon pied. Je ne me rends même plus compte que je suis en train de streamer. Je m'en fous, je suis heureux. J'ai un bon shoot entre les pattes. Donc ça m'intéresse pas de vous parler en fait. Ah non mais le jeu est super bien. Ah les petits mains, ils sont excellents les petits mains. Parce que en fait c'est le boss du niveau, je peux le spoiler celui-là. Je m'en rappelle très bien parce que la première fois j'avais quand même bien rigolé de voir sa tronche. Voilà. Donc voilà. Je crois qu'on a rarement autant mis de conneries dans un jeu bien fait de surcroît simultanément. Oh non, pas Miaou. Ah mais il y a d'abord notre ami qui en plus m'a fait une misère tout à l'heure. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne puis plus tirer? Les couilles de mon du chat, quoi. On se le finit? Oui. Oui! Qui va-t-on prendre? Ah, le petit cochon, il est très bon aussi. Est-ce qu'il me remet vers le boss? On va dire que logiquement, oui. Regardez-moi ça, s'il est pas tout choupi. Ce petit pays. Viens, sale miaou, médisant. Ah, mais j'ai plus de miaou quand je meurs. Alors, tout rapport avec un jeu récent ayant fait beaucoup de parler de lui pour ses graphismes extraordinaires, c'est vrai, il faut dire, qui reprenait le style des animations 50 de chez Disney, serait purement. Comment dire? Ah, vous voyez, quoi. Donc on voit que chez Cuphead, ils avaient quand même de belles références. Et qu'ils n'ont pas abordé leur shmup en se disant « Oui, non, mais c'est juste le boulot d'un graphiste qu'on va habiller avec son trou. » Quoi, j'entends? Il faudrait que je le stream. Bah, je ne l'ai pas, en fait. C'est con à dire, mais je ne l'ai pas. Donc, je sais pas, supportez mon stream, envoyez-moi des sous, votre carte bleue, des chèques, ce que vous voulez. Ou alors le jeu, même s'il existe en matérialisé. C'est volontiers que je ferai le stream de Cuphead. Mais non. Là, je ne l'ai pas. Ce sont des choses qui arrivent. Oh, mais super pays. Alors là, je suis en super mode de la mort. Où je peux
défoncer des trucs en leur rentrant dedans. Mais voilà, c'est fini, il faut savoir s'arrêter. Ah, je suis en méga mode. Oh, c'est musique. C'est bon. Le gâteau. C'est décor, c'est musique, c'est décor. Mais. Sérieux, on va le finir. Non, faut pas que je le finisse, faut que je vous laisse les surprises. Parce que c'est... Il fait partie des incontournables. Faut avoir joué à des parodius dans sa vie. Sinon, vous n'avez jamais joué à tous les types de schmeux possibles. Je ne continue pas. Et ça me coûte de ne pas continuer. Vous vous en doutez un petit peu. Merci à toi d'avoir existé, jeu. Merci à toi, parce que quand même, avoir ce petit bonheur-là, hein, ça aurait été dommage que ça n'existe pas, quoi. Les parodies de jeux de shoot, et qui invitent tous les persos de tas d'autres licences, c'est super génial. Je sais pas combien il en existe exactement des parodies, s'il n'y en a pas qu'un. Donc il y a le Parodius d'origine, il y a ce Parodius-là qui est donc Fantasy Land, je crois. Fantasy Journey. Il y a un super Parodius qui existe et je pense qu'il y a eu d'autres versions qui ont été faites entre-temps parce que ouais, c'est toujours plaisant. Il faudrait que je vois sur les machines récentes s'il y a eu des rééditions HD, ça serait vraiment sympa. Et je pense qu'elles existent. Sur ce, bis, on se retrouve bientôt pour un nouveau stream. Je vais essayer de trouver autre chose que des shoots parce que là, j'avance beaucoup trop vite. Bien qu'il en... Je vous rappelle qu'il y a 1400 shoots référencés à ce jour qui ont été faits. Je ne sais pas comment je vais faire pour tous les trouver, mais je continue la chasse. Je continue. À tout bientôt. Ciao. Miaou.